Salut, ici Maps. Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de mai. On commence avec un service de presse que j'ai reçu directement de l'autrice Stéphanie Sylvain. C'est une autrice que je voulais relire, donc j'étais bien contente qu'elle me contacte. Donc, ce livre-là, c'est un livre de la collection de la série Livres dont tu es l'enquêteur. Ce tome-ci se nomme Le nombril du monde et l'autrice, c'est Stéphanie Sylvain. Donc, il faut découvrir qu'est-ce qui s'est passé. On est dans une secte qui croit aux extraterrestres et qui les appelle. La sorte d'extraterrestres avec qui ils font affaire, avec qui ils parlent, sont des Kitecs. Et le gourou de la secte a été retrouvé dans une salle, dans sa salle où il y a juste lui qui pouvait y aller, qui est comme vraiment bien barré, que personne ne peut y entrer. Il a été retrouvé mort. Et il n'y a pas de traces d'infraction, il n'y a pas rien, mais on a des gens, des suspects. On a 11 suspects et on va avoir comme travail de découvrir qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait ça. C'est un format très dynamique, donc le public cible, c'est à partir de 13 ans. On a des descriptions de tous les suspects, on a des articles de journaux, on a des articles qui ont un lien avec certaines choses ou certains concepts de la secte. On a la description des lieux, des images, plein de choses dans ce livre-là. On a des interrogatoires. Donc, le but, c'est vraiment que nous, on arrive à la fin de tout ça à comprendre et à découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un format super dynamique. Je pense que pour un enfant qui n'aime pas énormément lire, ça peut vraiment bien le faire, ça se lit super rapidement. C'est sûr que les gens qui aiment lire aussi vont apprécier, mais je pense qu'il y a quand même un public cible pour ceux qui pourraient être rebutés par la lecture au préalable. J'ai beaucoup aimé l'expérience. C'est sûr que moi, je suis une lectrice paresseuse, ce qui veut dire que je veux pas faire d'efforts lorsque je lis, je veux juste lire. Donc, à la fin, lorsque ça dit « qu'est-ce que vous en pensez? Qui vous pensez qui est le coupable? » J'avais pas fait vraiment de recherche, j'ai pas vraiment regardé, analysé beaucoup, parce que c'est ça, hein, je suis paresseuse, je voulais juste qu'on me donne la réponse. C'est sûr que moi, j'avais lu Stéphanie Sylvain dans un format roman beaucoup plus typique, et je vous avouerais que là, je l'ai pas vraiment lu, tu sais. C'est pas des textes, c'est pas un format, un livre comme on pourrait s'y attendre, un roman. Je pense que là où que j'ai vu sa force, c'est dans les articles qui parlaient de science et tout ça. J'aimais beaucoup comment c'était écrit. Je trouvais qu'elle était compétente et qu'on voyait qu'elle connaissait bien son sujet scientifique et tout. Donc, je me suis pas sentie régalée de sa plume parce que j'y ai pas goûté assez. C'est pas un livre qui permet nécessairement d'avoir accès à toute l'essence de cette autrice. Définitivement, j'aimerais ça la relire avec un vrai roman. Et j'aurais pris cette histoire-là dans un format beaucoup plus détaillé. Là, c'est sûr que c'était concis, puis l'objectif, c'était que ça soit rapide, dynamique pour les jeunes, mais je prendrais une histoire comme ça en adulte. Le motif était bien trouvé, tu sais, c'est logique, c'est qui la personne qui le fait et tout. J'ai apprécié les explications, le pourquoi, comment ça s'est passé et tout ça. Donc, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je recommande pour les ados de 13 ans et plus, définitivement. Et moi, je veux la relire. Ah! Avant que j'oublie, il y a quelque chose qui est vraiment pratique, c'est lorsque on a des interrogatoires, il y a des petits post-it qui réfèrent aux fiches qui ont un lien avec l'interrogatoire. Donc, par exemple, on a un personnage X, on a son interrogatoire, il y a un élément, par exemple, un manteau d'homme qui a été trouvé, qui est associé à ce personnage-là. Il y a un post-it qui nous réfère entre les éléments, entre les articles et tout. Donc, si on veut vraiment fouiller, chercher, s'investir, on n'a pas à regarder chaque page à toutes les fois pour retrouver ça. Tout est relié, donc on nous facilite vraiment la vie pour faire des recherches. Ça, j'ai trouvé ça, ma foi, là, super intelligent et pertinent. Voilà pour ma première lecture du mois de mai.
J'avais déjà lu David Ménard avec Poupée de rouille pour les lectures en lien avec le salon du livre de l'Outaouais. C'était un conte poétique, j'avais été vraiment surprise d'apprécier, mais il y avait comme une ligne directrice très claire et ça avait fait en sorte, selon moi, que j'avais davantage apprécié qu'un roman de poésie frais de sec net. L'auteur m'a contacté et m'a dit « Si tu as aimé Poupée de rouille, je pense que tu vas aimer L'autre ciel. » Donc, j'avais envie de le relire. J'avais envie particulièrement de lire L'aurore martyrisée et c'est encore dans ma tête. Mais comme il m'avait suggéré d'y aller avec celui-là, ben c'est chose faite. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. En fait, c'est sûr que l'auteur ne me connaît pas énormément, mais vous savez, moi, en poésie, je suis difficile, je suis vraiment pas une grande adepte de poésie, je ne suis pas sensible à la beauté des mots et lorsque ce sont des métaphores abstraites, lorsqu'on utilise la nature et tout ça, ça me parle pas. Donc, dans ce livre-là, il y a une histoire, c'est Marie-Madeleine, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, qu'on suit, mais le filon est très, très pâle, très petit. Et on a des petites bribes par-ci, par-là, et entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie abstraite. Donc, même si c'est un petit livre, éventuellement, j'étais comme, je lis, là, mais j'ai pas de plaisir, je sais même pas ce que je lis. Je veux juste savoir, là, c'est quoi l'affaire avec Marie-Madeleine, mais en même temps, il y a comme trop de mots autour, puis trop de poésie, puis ça fonctionne pas. Donc malheureusement, je l'ai abandonné, mais comme je vous dis, c'est pas un no-no forever pour moi, parce que je pense que ça, c'était juste vraiment pas le format. Je pense que l'autre livre dont je vous ai parlé, L'aurore martyrisée, je pense que ça va plus le faire. Il faut définitivement qu'il y ait un plus grand filon, qu'il y ait une plus grande histoire, une ligne directrice. Une ligne directrice. Parce que sinon, ça me perd. Moi, puis la poésie, ça fonctionne pas. J'ai continué les chroniques du plateau Mont-Royal. Donc, j'étais rendue à la troisième qui se nomme La Duchesse et le Roturier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une expérience en dents de scie, moi, puis ces chroniques-là, les chroniques de Michel Tremblay. Parce que la première, la grosse femme d'à côté est enceinte, j'étais vraiment pas tant vendue. La deuxième, Thérèse et Pierrette à l'école des Saint-Anges, j'ai beaucoup aimé, mais on se focussait un petit peu plus juste sur ces deux personnages-là. Puis la troisième, la Duchesse et le Roturier, là, on est retourné avec pas mal tous les personnages. Quoique éventuellement, on s'arrête un petit peu plus vers Édouard, mais quand même. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Au début, on était comme au théâtre, puis là, éventuellement, on a encore des petites bribes par rapport à Marcel, par rapport à la grosse femme, par rapport à Albertine, et on a des personnes qui changent, on a l'interaction avec la famille. C'est comme, il se passe tout et rien, là. Et éventuellement, il y a un filon par rapport à Édouard qui va faire un pas dans l'acceptation et dans le je m'en foutisme des autres. Donc, la fin est vraiment plus vers Édouard. C'est un format assez intense parce que ça respire pas pantoute. Et comme vous voyez, je vis un peu des émotions contradictoires avec ces chroniques-là. Parfois, j'ai de la misère à les lire. Fait que celle-là, je l'ai lue lorsque je tirais mon lait en plein milieu de la nuit. C'était comme 20 minutes, c'était assez à la fois, puis j'avais pas envie de lire ça pendant le jour, fait que je lisais autre chose. J'ai hâte de voir la quatrième, mais c'est ça, hein, c'est pas fait pour moi, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de points de vue, je m'attache pas nécessairement aux personnages, j'ai de la misère à faire les liens entre eux, on dirait que tout se mélange à chaque fois, donc c'est peut-être parce qu'on s'arrête pas assez sur chaque personnage, je sais pas, puis en même temps, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que dans la semaine où j'ai commencé à lire ça, ou un petit peu après, je suis allée voir la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs. Fait qu'il y a ces personnages-là qui viennent un petit peu amener au théâtre dans le livre. Fait que j'étais contente d'avoir comme un visuel sur ces personnages-là. Mais il y en a beaucoup, puis je m'attache pas beaucoup à ce monde-là. L'ambiance est intéressante, mais je sais que c'est comme pas correct de dire ça à propos de Michel Tremblay, mais en même temps,
n'y a rien à prouver à moi, là. Ce sont des classiques, ces ouvrages, ces livres, parce que c'était la première fois qu'on écrivait en joual québécois dans des livres et tout ça. J'enlèverai jamais ça. Mais c'est pas quelque chose qui est facile et évident à lire pour moi. Pour le club de lecture de Sylvain Desmenti, il nous a demandé de lire les Chroniques de San Francisco et Nouvelles Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. Chose faite pour ma part. Donc, on est où? Ça aussi, c'est une histoire avec bien des personnages. Donc, on va suivre Mary Ann Singleton, 25 ans, qui va s'en aller loin de ses parents, qui s'en va à San Francisco. Elle a besoin de changer d'air. Et lorsqu'elle va arriver à San Francisco, elle va habiter au 28 Barbary Lane et elle va découvrir un tas de personnes. Beaucoup, beaucoup de monde. Madame Madrigal, Michael, qu'on surnomme Mouse. Il va y avoir Mona, il va y avoir Brian. Il va y avoir plein de gens dans ce genre d'appartement, j'imagine. Une maison avec ben des locataires. Et ça va être leurs histoires à eux avec comme ligne directrice, personnage un petit peu plus principal, Marianne. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces chroniques? C'est sûr qu'au début, lorsque j'étais dans le tome 1, rapidement, ben, tout le monde me l'avait dit, Sylvain avait même un petit peu peur de tout ça pour mes préférences personnelles, qu'il y a beaucoup de personnages. Il y en a beaucoup, c'est pas une cachette et c'est un fait. Quelque chose, par contre, que j'ai apprécié, c'est que à chaque fois, ou presque, qu'il y a un nouveau personnage qui est introduit, il y a un lien qui est fait avec l'ancien personnage. Donc, si on est en train de suivre Marianne, elle va rencontrer Michael. Après ça, on va suivre Michael, puis éventuellement, ben, on va rencontrer Mona. Mais on a comme un lien entre les personnages à chaque fois, donc j'ai trouvé ça un petit peu plus facile de situer qui était qui, parce que les liens entre eux étaient établis. Donc ça, j'ai trouvé ça mieux que ce que je peux lire avec des ouvrages avec beaucoup de personnages. C'est sûr que à quelques reprises, j'ai dû retourner, puis j'ai dit, ah oui, c'est celle-là, c'est elle dédiée par rapport à Marianne, parce qu'il y en a quand même beaucoup des personnages, donc forcément, parfois j'oubliais, je pensais que c'était pas si important, mais le personnage revenait, donc je voulais être certaine d'avoir compris la dynamique. C'est un ouvrage qui est majoritairement en dialogue, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, ce qui fait en sorte que ça va rapidement. Et vu qu'il y a des tout petits chapitres, ça aussi, ça fait que ça aide à tourner les pages. Mais en même temps, j'ai l'impression parfois que je n'étais pas certaine de ce qui se passait ou que ça allait un petit peu trop vite. Et j'ai trouvé aussi que les personnages parlent souvent à demi-mot. Dans le premier tome, particulièrement, il y a beaucoup de secrets. Donc, on dirait que j'étais comme pas sûre de ce qui se passait. Là. Ils se parlaient, puis eux, ils étaient comme « Ah, mais oui, OK. » Puis là, moi, je suis comme j'ai rien compris, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Donc, quelques petits moments, là, que j'ai trouvé plus difficiles, et aussi parce que je pense que la force de ce livre-là, c'est vraiment l'atmosphère. On est complètement dans l'époque, dans les mœurs, dans comment ça c'était libre et wild, la drogue, la sexualité libre et tout. Donc, on est vraiment bien campé dans l'atmosphère, mais il y a beaucoup de référents dont je connais pas ces référents-là. Donc ça faisait que c'était un petit peu dur pour moi à certains moments. Le premier tome, c'est ça que j'en ai pensé. Après ça, il y avait aussi à la fin des bonnes révélations. J'ai trouvé ça intéressant. Puis il y en a une qui n'a pas été terminée. Donc, j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer avec ça. La deuxième, nouvelle chronique de San Francisco. Lorsqu'on commence au début, il y a comme un petit recap avec les personnages et tout. Puis vu qu'on avait déjà rencontré les personnages dans le tome 1, là, je les connaissais un petit peu plus. Je me sentais un petit peu moins observatrice parce que c'était un peu comme ça, je me sentais dans le premier, comme si j'avais pas d'attachement particulier pour aucun des personnages. Mais là, on avait quand même une bonne base de personnages plus principaux. Et oui, c'est sûr qu'il allait avoir d'autres personnages qui allaient se rajouter, mais quand même, c'était moins dans la nouveauté puis dans l'établissement des personnages. Donc, il y avait aussi beaucoup plus d'intrigue. Ça fait en sorte, je pense que ça se lit encore plus rapidement. Il y a plein de trucs farfelus, ça n'arrête pas, des revirements de situation. Donc, j'ai trouvé que le deuxième était encore meilleur. Il y avait encore la force
de l'ambiance, l'atmosphère. C'est sûr que j'étais encore un peu confuse par rapport aux références, mais là, les personnages, j'ai commencé à m'apprécier plus. Tu sais, Michael, on a vécu des trucs avec lui, Mona, Madame Madrigal. Marianne est un peu beige, là, malgré que ça soit comme elle la plus principale et le lien de tout ça, mais bon. Donc, voilà pour le deuxième tome. J'ai trouvé que ça se lit super rapidement, toujours des petits chapitres. Encore beaucoup de dialogues, mais là, on avait un petit peu plus de réponses, même s'il y avait encore un peu de demi-mots parfois. Donc, ça s'est bien terminé pour la première lecture du club de lecture de Sylvain Desmonty. On continue avec le deuxième tome de la série Anna Caritas, écrite par Patrick Isabelle. Donc, le deuxième tome, c'est Les Damnés. J'étais pas certaine du premier tome, il y avait des enjeux au niveau de mes préférences littéraires dans le genre, donc horreur, paranormal, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais j'avais entendu dire que les prochains tomes étaient encore meilleurs, donc je me suis dit, ben, je vais aller voir, c'est quand même une série très populaire, donc j'étais curieuse de comprendre la hype autour de cette série-là. J'ai commencé le deuxième tome et rapidement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Au-delà du genre, j'ai pas beaucoup d'attachement pour le personnage principal. Je le trouve plutôt beige, puis la manière d'interagir, les interactions entre les personnages et tout ça, il y a quelque chose qui me semblait un peu immature. Et je comprends qu'il y a l'âge de ces personnages-là, mais je sentais pas, ça fonctionnait pas, j'avais pas tant d'intérêt pour ce qui allait se passer parce que on suit William et que j'avais pas beaucoup d'amour pour ce personnage-là. Donc j'ai dû me rendre à l'évidence que cette série-là ne serait pas pour moi et j'ai décidé de l'abandonner au complet. J'ai lu Les Loyautés de Delphine de Vigan et j'avais très hâte de relire cette autrice qui ne m'a jamais déçue jusqu'à maintenant. Donc, Les Loyautés, on suit plusieurs personnages, mais on est autour d'une enseignante et d'un étudiant qui a des enjeux familiaux. Donc, l'enseignante va avoir un pressentiment, va ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas bien avec cet étudiant-là. Il va vouloir explorer, va vouloir investiguer et on va suivre la vie pas facile de cet étudiant-là. On va avoir aussi des perspectives de son meilleur ami et de leur mère. Donc, ça va ressembler à ça. J'aime beaucoup la plume de Delphine de Vigan. Je trouve que ça se lit tout le temps super rapidement. C'est pas des gros romans, puis c'est écrit quand même assez gros, mais la plume est addictive, les chapitres sont courts, ça va vite. Et rapidement, la thématique dans une école, enseignante, élève, ça m'a beaucoup interpellée. C'est pas nécessairement la relation entre les deux, c'est vraiment plus l'enseignante qui voit qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qui essaie de trouver des preuves au-delà de juste son intuition. C'est un ouvrage que j'ai lu super rapidement, j'ai embarqué vraiment vite et je l'ai dévoré, je l'ai tellement aimé et elle fait quelque chose d'assez particulier parce que ses fins là, à Delphine de Vigan sont pas toujours franches et nettes comme on peut s'attendre et cette fin-là, je voyais les pages avancer puis je me disais ça se peut pas qu'on va arrêter là et c'est tellement une fin forte, une fin insatisfaisante d'un certain sens, mais qui va rester ancrée en moi, tout comme la fin d'après une histoire vraie. Il y a quelque chose d'incroyable avec ses écrits. J'ai tellement hâte de continuer à la lire. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que les thématiques me rejoignent encore plus que les thématiques du livre d'après une histoire vraie. Je pense que c'est vraiment un enjeu thématique là, de mon classement parce que je les ai vraiment bien aimés tous les deux. Donc, je pense que pour l'instant, c'est ma plus grosse lecture, ma meilleure lecture de l'année. Je pouvais comprendre, relate avec l'enseignante, puis sa relation avec ses étudiants, ce sentiment de ne pas avoir beaucoup de pouvoir, de ne pas pouvoir faire grand-chose, de devoir rester dans le cadre, même si elle avait une intuition, même si elle a vécu des choses dans sa jeunesse, dans sa vie, puis elle est capable de reconnaître les signes, mais il faut plus que
des signes et notre intuition pour semer l'alarme que quelque chose ne va pas dans la vie d'un élève. Je comprenais vraiment très bien tout ce qui se passait autour de ce livre-là. Je l'ai encore une fois adoré. Meilleure lecture jusqu'à maintenant. Là, les deux prochains livres, ce sont aussi des abandons. Faites-vous-en pas pour moi! Là, je me suis rendu compte que j'ai pas eu beaucoup de grands coups de cœur depuis le début de l'année. Et on dirait que je passe vite sur des lectures qui me font pas grand-chose. Donc, j'ai peut-être le DNF rapide, mais je veux vivre quelque chose. J'ai plus beaucoup de temps pour lire. Donc, lorsque je lis, je veux que ça me happe tout de suite. Je veux être accrochée. Je veux aimer ça dès la page 1. Blanc d'or de Martine Delvaux. J'avais eu de la misère avec... Rose amère de Martine Delvaux. Je l'avais jamais lu en roman, je l'ai lu avec le Boys Club. Mais là, ça fonctionne vraiment pas. Je peux même pas vous raconter l'histoire, là. Une jeune femme tombe enceinte, un homme s'enfuit, une petite fille reste aux prises avec une énigme, à la manière du dessin caché qui apparaît dans les cahiers de jeux des enfants quand on relie entre eux les points numérotés. Martine Delvaux s'applique à réunir dans Blanc d'or le peu qu'elle sait de l'inconnu qui a refusé de devenir son père. La thématique est pas tant original, mais moi, ce qui me tue, c'est l'écriture. Oh, je trouve ça méplate, médrabe, méfade. Puis là, j'ai commencé à lire ce livre-là juste après que j'ai lu Les Loyautés, que j'ai dévoré, puis j'adore l'écriture de Martine Delvaux. C'était un supplice. Donc, j'ai finalement décidé d'arrêter de lire tous les écrits de Martine Delvaux. Ça ne fonctionne pas, de toute évidence, parce que c'est le deuxième DNF de cette autrice-là cette année. On va passer à autre chose. Même Boys Club, je l'ai relu récemment, puis ça m'a pas autant happé que la première fois. Donc, non. Cette autrice-là ne fonctionne plus pour moi, ne fonctionne pas. C'est terminé. J'avais la série Cam Tasgal de Nadine Berthollet dans ma bibliothèque, dans ma pile. Je pensais que c'était une duologie parce que j'avais deux tomes. Mais non, c'est quatre tomes, une série de quatre tomes. Donc, j'étais curieuse, mais encore une fois, ça fait partie des ouvrages que j'ai pas achetés, donc je m'attendais à me laisser DNF rapidement si ça me plaisait pas tant. Qu'est-ce que j'ai découvert de cette histoire-là? C'est Cam qui, au tout début, se rend compte que son père a été tué et il se fait amener dans un monde fantastique qu'il ne connaît pas du tout, où il y a de la magie. C'est un des satellites de la Terre. Et donc, il ne connaît pas ce satellite-là. Nous, on connaît juste la Lune et il y a la Lune, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, qu'on connaît pas. Il y a la magie autour de ces satellites-là. Donc, il va y avoir, j'imagine, plein d'énigmes à parcourir. Mais comme vous vous en rendez peut-être compte, j'ai abandonné ce livre-là aussi. En fait, au départ, c'était correct comme lecture. Ça se lisait assez bien. On est embarqué dans l'univers magique. J'avais pas plus d'intérêt que ça. Cam était attachant, mais je reste sans plus. Mais là, ce que ça m'a fait décrocher, c'est que son père a été assassiné. Il le sait, ils l'ont dit, les chefs du nouveau satellite, Erazet. C'est comme ça que ça s'appelle? Erazet, parfait. Et il est tout le temps tout seul sur le satellite. Son père a été assassiné sur la Terre. Ils ont débarqué Cam Tasgal sur ce satellite-là, dont il ne connaît rien, il connaît pas la magie, il connaît personne, puis il est tout le temps tout seul. Il y a personne qui le surveille, il y a personne qui s'inquiète que peut-être que quelqu'un va vouloir l'assassiner lui aussi. Ça m'a juste comme, c'était trop facile, il était tout le temps tout seul, abandonné. Ok, il s'est fait un ami, mais je suis comme, sont où les adultes qui sont supposés, possiblement, de s'occuper de lui? Nulle part. J'imagine que c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans la littérature, genre young adult, jeunesse, fantastique. Mais on dirait que ça n'a pas le même écho sur moi à 31 ans qu'à 15 ans, lorsque tu as à peu près le même âge que les protagonistes, puis ça te dérange pas tant qu'il n'y ait pas cette surveillance-là, puis que tu te poses pas de questions, est-ce que c'est crédible ou non. Fait qu'éventuellement, j'étais comme, ah, ça me dérange, il y a une couple de petites choses qui commencent à me titiller, j'ai plus tant de plaisir. Fait que je l'ai juste abandonné. On est rendu à ma dernière lecture du mois de mai que j'ai faite en body read, en lecture commune avec Sylvain Desmentis.
Sa vidéo a été publiée à propos de son avis sur ce livre. Donc, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'informations. Et maintenant, je vous explique ce que j'en ai pensé. C'est MH qui m'avait offert ce livre-là lors d'un swap BookTube Québec. Chanson douce de Leila Slimani. En fait, on commence avec un drame. Deux enfants ont été retrouvés, un enfant sans vie, l'autre presque, tu sais, il est sur le bord de la mort. Et on va retourner en arrière pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à ce drame-là. C'est un ouvrage, je vous dirais, que la première page est assez choc. Et lorsque j'ai continué ma lecture, je me suis dit, ah, on va retourner en arrière, puis on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a la famille, on a les parents, éventuellement, ils ont des désirs de s'épanouir au niveau professionnel. La mère, au début, elle était à la maison, mais finalement, elle aimerait se retourner travailler. Donc, ils vont trouver une nounou qui va s'occuper de leurs enfants. Et c'est tout ça qu'on va suivre, les questionnements, leurs relations entre eux et tout ça. On va mettre aussi beaucoup l'accent sur la nounou. Et éventuellement, ben, on va avoir un petit peu les clés. C'est pas comme un thriller, c'est pas... Il y a rien finalement qui est vraiment des rebondissements ou des revirements de situation, mais j'avais l'impression au départ que ça allait être ça ou que ça allait être un ouvrage psychologique un petit peu comme Les Suicidés d'Auclair où on commençait avec la fin qui était un suicide collectif, puis tout au long du livre, on comprenait petit à petit qu'est-ce qui avait fait en sorte que ce drame-là arrive. Et j'avais l'impression que ça allait être ça la forme, mais pas vraiment, parce que ça arrête juste avant l'événement. Donc, on n'a pas tout à fait l'explication de ce qui s'est passé. Et non plus, c'est pas une surprise qui a fait ça. Donc, c'est pas ça l'objectif non plus. C'est pour ça que j'étais comme un peu confuse, parce que je savais plus c'était quoi finalement l'objectif de ce livre-là. Ce que je pensais que ça allait être au départ, ben, au fur et à mesure que je lisais, ben, je me rendais compte que c'est pas ça. Fait que là, je me faisais une autre idée, puis finalement, c'était pas ça. Puis lorsque j'arrive à la fin, on s'en va proche du drame, mais là, ça défile vraiment beaucoup. Mais on a comme pas l'explication concrète du drame expliquée bien comme il faut en détail. Donc, c'est vraiment une bizarre de fin. Outre la trame narrative du livre, j'aimerais ça vous parler des personnages. Je sais pas si l'objectif c'était qu'ils soient complexes, qu'ils soient en teinte de gris, donc pas nécessairement unidimensionnels, mais multi-dimensions avec des failles, avec des forces et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt tombé dans le côté qu'ils sont antipathiques. Et lorsqu'ils ont des réactions excessives, on comprend pas d'où ça vient. On n'a vraiment pas beaucoup de background de leur psychologique. On n'apprend pas vraiment à les connaître. Je pense que c'est peut-être la manière que c'est écrit. On n'est pas dans leur tête. Et ça fait en sorte que lorsqu'ils ont des réactions comme ça, puis quasiment tous les personnages ont à un moment ou un autre une réaction étrange, comme vraiment trop grande pour la situation, puis on ne sait pas d'où ça vient. Ça fait en sorte que la majorité des personnages de ce livre-là, moi je ne les ai pas trouvés sympathiques, je ne me suis pas attachée, je les trouvais même comme un peu too much, là. Je les trouvais vraiment tous un peu déplacés et intenses, d'une manière quand même assez péjorative. Donc, je sais pas trop c'était quoi l'objectif avec ça, mais pour moi, ça a vraiment donné l'impression d'une quantité phénoménale de personnages antipathiques. Sinon, ben, je vous avouerais que Sylvain l'a commencé et terminé avant moi, il l'a dévoré, il l'a lu très vite. Ben, dévoré, c'est pas parce qu'il l'a vraiment beaucoup aimé, mais il l'a lu vraiment très vite. Et Karine Minier, de Mon coin lecture, l'avait lu aussi, puis était comme pas nécessairement... avec un avis positif là-dessus. Donc, lorsque j'ai commencé l'ouvrage, j'avais pas beaucoup d'attentes. Et moi, ce qui m'a happée au début, c'est deux thématiques très fortes qui me rejoignent. Et peut-être que ça me rejoint parce que
c'est quelque chose que je vis ou que je vais peut-être vivre. La première thématique qui m'a happée, c'est l'histoire d'être mère de famille, d'avoir une famille et de quand même vouloir s'épanouir professionnellement. Moi, ça a toujours été quelque chose qui me fait extrêmement peur, dans le sens que on aime nos enfants, on veut passer beaucoup de temps avec eux, mais d'un autre côté, je veux être une femme qui a un travail, je veux m'épanouir à mon travail, puis je sais que je pourrais plus faire autant d'heures que je faisais avant, partir à 6 heures de l'école. Bon, parfois, on faisait pas juste travailler, on jasait, mais quand même, tu sais, parce que ça va faire en sorte que j'aurai moins de temps avec mon fils et vice-versa, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me sentais un petit peu dans les pieds de la protagoniste, de la mère de famille qui a besoin de retourner au travail, tu sais que c'est plus fort qu'elle, c'est pas parce qu'elle aime pas ses enfants, mais comme t'as besoin de ça pour te sentir complète. Donc je pouvais vraiment comprendre cette vision, puis cette, pas nécessairement dichotomie, mais ce dilemme peut-être, tu sais, avoir du temps, prendre du temps pour le travail, prendre du temps pour sa famille, puis tu peux pas prendre tout le temps pour l'un ou l'autre, il faut que ça soit un compromis entre les deux. L'autre chose qui m'a beaucoup bouleversée, c'est l'apparition de la nounou. Moi, personnellement, si j'avais les moyens d'avoir de l'aide à la maison, j'aurais quelqu'un qui ferait mon ménage, j'aurais quelqu'un qui me ferait à manger, mais jamais, au grand jamais, je ne laisserais quelqu'un hors de la famille que je paie, que je rémunérer, oui, c'est ça, s'occuper et être si près physiquement, émotionnellement de mes enfants. Lorsque je lisais les passages, puis que la nounou, elle les flappe, puis qu'elle se couche quasiment en cuillère avec eux, j'avais un de ces malaises. Je ne pourrais pas, c'est pas possible. Ça me dégoûte même à un tel point que quelqu'un soit si proche de mes enfants qui même substitue un peu la place que j'ai dans leur cœur, dans leur âme, dans leur éducation. Physiquement, que quelqu'un prenne mes enfants de manière plus charnelle que moi-même, ça là, c'était un trigger, ça se pouvait pas. Je disais ça puis j'étais tellement mal à l'aise. Non. Et d'un autre côté, ça me faisait penser quand même à ces discussions que les gens ont eues dans les dernières années à propos du fait qu'on engage parfois des gardiennes de 12 ans pour s'occuper de la prunelle de nos yeux. Tu sais, à quel point finalement on laisse ça un peu dans les mains de tout le monde. Puis un peu, le système d'éducation ces derniers temps, c'est ça aussi, hein? On accepte que des gens qui ne soient pas qualifiés s'occupent de l'éducation de nos enfants. En tout cas, partez-moi pas, mais ça, c'est deux thématiques qui m'ont touchée. Mais une fois que ces thématiques-là ont passé, je peux pas dire que j'étais vraiment happée, que j'ai vécu grand-chose. J'ai trouvé que ça se lisait quand même assez bien. J'ai terminé le livre malgré ma quantité d'INF importante des dernières journées et même ma panne de lecture qui semble arriver après. Quoique, j'aime pas le terme panne de lecture puis je trouve pas que c'est adéquat. C'est plus comme j'ai beaucoup de choses à faire entre un bébé chien puis un bébé. Puis j'aime ça aller dehors pour faire rien lorsqu'il fait beau. En tout cas, c'est un autre sujet, puis là je divague, il est vraiment très tard lorsque je finis cette dernière portion-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai aimé lire ce livre-là avec Sylvain. Merci à MH de m'avoir envoyé ce livre-là. J'ai aimé l'expérience. Je pense pas que c'est un livre nécessairement coup de cœur, mais définitivement pour ces deux thématiques-là, ça m'a confrontée à moi-même. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.